Salut, dans cette nouvelle vidéo, on arrive au terme de ce projet GT8 Vision BWT de Graphil. Alors, avant toute chose, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Alors, on va enlever toutes les protections, le film protecteur, c'est le meilleur moment, hein, tant attendu quand on crée une carrosserie. On va enlever le cache pare-brise à l'intérieur. Les protections sur l'aileron et on collera les stickers pour finaliser cette carrosserie sur le thème BWT. Alors, on va enlever le châssis. Alors, ici, on va commencer par enlever le film protecteur sur l'aileron. Une peinture noire bien brillante. Voilà. Maintenant, on enlève la protection de pare-brise puisqu'on a fini de passer le fond blanc. On a passé également un vernis acrylique. On voit, hein, ça. Ça rend un fond assez brillant. Et là, on enlève définitivement la protection du pare-brise avant. Voilà. Donc à l'intérieur, il n'y a plus aucune protection à enlever. On revient sur cette coque. Et maintenant, on va enlever le cache, le papier protecteur. Alors, sur Graphil, c'est un papier très fin de couleur blanche. Donc, ça va nous donner un résultat surprenant maintenant qu'on procède. À l'enlèvement de la protection. Waouh. On avait fait aussi l'aileron noir ici. Oh là 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 là, le rendu il est terrible. Je crois que c'est le meilleur moment après avoir passé quelques heures à la confectionner. Oh là 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 là. Voilà. On arrive au bout du projet. On va mettre en place l'aileron ici avec des vis en plastique noir. C'est relativement simple à mettre en place. Hein. Un micro. Un second. Voilà, l'aileron est en place. Alors, il nous reste à faire deux opérations importantes. Il y en a une qui va consister à mettre des protections qui sont toutes prêtes. C'est une matière style un peu Lexan transparent, mais souple et adhésive. Ça, je le positionne
à l'intérieur de la carrosserie, ici, au niveau des trous que j'ai préparés et qu'on ajustera à la taille exactement. Voilà, donc c'est auto-adhésif, c'est autocollant et c'est souple. Donc ça prend absolument la forme de la carrosserie et ça viendra la protéger au niveau des plots de fixation. On va poser les quatre. Alors, au-delà de protéger la peinture, ça va venir aussi renforcer au niveau du trou. Si jamais il y a des chocs, ça va venir renforcer pour éviter que le Lexan fende au niveau des trous ici. Donc, partie arrière et partie avant. On va faire la même chose. Ça se trouve assez facilement, ces accessoires de protection. On l'utilise beaucoup en piste à 8e, mais moi j'en mets sur toutes les carrosseries. La planche de 20 protections, elle coûte aux alentours de 7 euros. Donc c'est pas excessif pour l'utilité que ça a une fois que c'est monté sur une carrosserie. Voilà. Voilà, les protections sont mises en place. On n'a plus à y revenir. Et enfin, on a notre planche de stickers pour les feux à l'avant. Alors, ils sont positionnés comme ceci et comme ceci, là. Donc, on va les mettre ensemble ici, à peu près ici. Alors c'est prédécoupé. Alors ces stickers-là, bien sûr, ils sont extérieurs. Voilà, pour le feu côté droit. Faire la même chose pour le côté gauche. Voilà, on a mis les deux feux à l'avant. Ça donne un avant bien agressif. Il nous restera ici à mettre sur l'aileron le GT8 Vision. Je voulais le mettre ici, ça me paraissait bien. Faire ça des deux côtés.
Voilà. On a également les feux arrière ici. Voilà pour les feux arrière. Maintenant, on va présenter la carrosserie sur le châssis Mugen MGT7. Pour voir le résultat final monté sur le châssis. Voilà. On peut admirer maintenant la finition de la GT8 Vision BWT Replica. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.